close. Ah oui, mode avion. Ah oui, qui s'économise. Ah oui, tu penses bien que j'ai optimisé la batterie. Il a qu'à gérer le film, hein. Il gère pas la téléphonie. Ça fait 8 heures. La batterie, elle a tenu à elle seule 4h30 en continu. Par contre, la capacité de stockage, je rappelle que j'ai un doute, j'ai une carte de 128 ou de 256 gigas. 256, je sais plus, je vous redirai une fois que je redémontrerai l'appareil. Mais j'ai une capacité de 12 heures, plus même, j'ai non, non, plus 12 heures, je crois que j'ai 16 heures. Oui, 16 heures en 1080p. J'avais fait le calcul, le ratio avec mes tests. Donc on est tranquille, hein. Vraiment la journée du matin au soir, je peux tout filmer. À partir du moment qu'il se coupe pas. Ça y est, c'est reparti. Hein? Ah oui. Bon, elle se fond dans le paysage, quoi. Bah oui. Ah mais non, l'air sauté. Moi, c'est difficile à filmer. Ouais. Ah. Pareil, il y a des chats qui sont dans le paysage. Hein? Tu dis pas. Ils appellent, ils bougent. Ah mais ils sont. Ils ah mais ils sont. Alors, une anecdote de la nature, hein, c'est vraiment la nature. Mais moi, ça m'avait fait marrer quand je l'avais observé. C'était sur le plateau aussi, quand j'étais plus jeune, que j'avais regardé ça assis dans l'herbe. Le truc a pu faire aujourd'hui, donc avec les fameux sticks. Mais j'observais les déambulations d'une chenille sur un brin d'herbe. Donc vraiment la petite chenille. Et ben, j'ai vu la chenille se soulager, c'est-à-dire déféquer. D'accord. Eh ben, je te prie de croire que dans la manœuvre, t'as l'impression de voir un wagon qui se sépare d'un... Enfin, un train qui se sépare d'un wagon. Ouais. Ça fait bizarre. Et c'était le moment caca. De la chenille, ouais, voilà. Je suis dit, non mais vraiment, un spectacle de la nature, quoi. Et j'ai dit, tiens, la première fois que je vois une chenille déféquer, ok. Et ça fait vraiment l'impression que c'est un wagon qui est abandonné sur la voie et hop, elle continue son chemin. Bon, voilà, 100% de nature, hein. On n'a rien inventé. Salade des animaux, j'ai aussi l'anecdote, donc je dirais. Oh, tu peux. C'était... J'ose plus. Moi, j'ose plus. Mais là, c'est enregistré quand même. Ouais, c'est enregistré, ouais. Mais non, pour rester dans la rubrique animaux, ça peut paraître tout bête, mais bon, tout à chacun ses rêves et ses projets dans la vie. Mais moi, je suis très intrigué par l'animal qui est le cheval. J'ai vu des reportages télé, j'ai côtoyé des personnes qui ont pu avoir une expérience équestre, c'est-à-dire de monter sur les chevaux et faire conduire un cheval. J'ai envie de dire en premier lieu ma frangine, qui a eu cette chance. Moi, c'est pas mon cas, et c'est pas mon but de monter, chevaucher l'animal, mais l'idée de passer une journée au contact des chevaux. Parce que l'animal m'intrigue vraiment. Et ça, c'est un rêve de vie. Je ne sais pas comment je vais l'organiser dans les années à venir. Mais il faudra que je me trouve une journée où je ne sais pas au niveau des centres équestres si on peut faire ça. Ou que je fasse connaissance avec quelqu'un qui est éleveur de chevaux. Ça ne doit pas courir les rues ou les champs. Mais j'aimerais bien faire ma journée, sans déconner, quasiment du matin, limite au moment où je me réveille ou je prends mon café, jusqu'au soir avant d'aller me coucher. Passer toute la journée en compagnie des chevaux pour les observer. Éventuellement interagir avec. Alors moi, un matin, j'étais en vacances, dans la Drôme, il y avait dans la maison de vacances de mes grands-parents, il y avait un cheval, les cousins ont ouvert le volet, il y a un cheval qui était sur le plan incliné de la maison, qui venait à l'intérieur de la maison. Ah ouais. Et c'était un respect assez spécial. Quoi. Un cheval, un polyphérant, qui avait été passé à travers les barrières électriques. Oh. Ah oui, donc, il y avait un trou, il s'était faufilé. Eh mais. Du coup, on a refermé le passage. Et voilà, et sinon je vais ajouter aussi, oui, alors les chevaux, c'est intriguant, parce qu'en fait ils sont très nerveux quand tu essaies de caresser la tête, ils bougent tout le temps la tête, c'est, ça donne les coups, ça va visiter, c'est bien. Bah c'est peut-être parce que ça se fait pas chez eux, et ils aiment pas. Tu crois bien faire, mais en fait ils aiment pas. Après quand t'es cheval, tu vois, le personnel c'est un cheval, bah, il y a pas de plus de chance que
Ouais, bah oui. Comme on dit, il faut commencer derrière le cheval. Tu connais pas. Sinon, tu crois que ça vaut bien passer. Ouais, ouais. Alors, tiens, tu crois pas si bien dire, mais c'est ce qui a failli m'arriver avec une vache. Il y avait eu un mini salon, c'est dommage qu'ils n'ont pas réédité ça à Nancy. Il y a, pareil, il y a quelques années, il y a eu une tentative de mini salon de l'agriculture à Nancy qu'ils avaient fait cours Léopold, je crois. Et ouais, ouais, c'était là-bas. Et j'ai jamais touché, enfin jusqu'alors, j'avais jamais touché de bovin de ma vie. Et je voulais avoir l'idée de me dire, merde, c'est là d'où vient le cuir, pour tout ce qui est. Voilà, revêtement cuir, siège en cuir, machin. Bon, évidemment, après traitement. Mais je dis, merde, c'est quand même la peau de l'animal en question, normalement. Et je dis, mais ça fait comment de toucher une vache? Et j'ai eu évidemment la mauvaise idée en me disant, merde, la vache doit être un peu en stress, savoir qu'elle n'est pas en milieu naturel, au milieu d'humain, qu'elle est épiée, elle peut se faire tripoter, que je ne devrais pas avoir un gros risque d'avoir une mauvaise réaction de l'animal. Et. Elle était dans son box, si je puis dire, la vache, et j'arrive malheureusement de dos, je ne m'étais pas annoncé à la vache. Et la curiosité irrésistible de poser ma main sur le haut de la cuisse de la vache. La vache qui s'est retournée, qui m'a jeté un regard, là franchement de la communication très claire interespèce, franchement du regard elle m'a crié, tu recommences ça, je te fous un coup de sabot dans la gueule. J'ai tout de suite compris, il fallait surtout pas que je recommence. J'ai tout de suite retiré ma main. On avait vraiment le regard foudroyant, quoi. Alors là, on va bifurquer parce que tu vois, on reprend le chemin de la descente là où il y a les personnes. On va bifurquer sur ce chemin là et on va se faire un petit périple d'une demi-heure, trois quarts d'heure avant de revenir après côté antenne. Ouais, 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 ouais. Là, le chemin là, je le connais bien. Là, on va attaquer le versant. Ça vaut le coup. Il y a de beaux paysages là-bas. On va attaquer. Puis j'aurai une autre anecdote à vous raconter. Tiens, on va attaquer le versant. Je disais tout à l'heure de l'Essaint Christophe. Oui, je regarde, ça filme toujours. C'est bien. Et ouais, voilà. J'ai eu ma réponse de sensation touchée de peau de vache, on peut le dire. Et j'ai pas réédité depuis. Mais je suis resté marqué franchement par le regard électrique que m'a jeté la vache. Ouah, elle m'a bien fait comprendre qu'il fallait pas que je recommence. Les animaux communiquent très bien. Quand ils veulent quelque chose, ils le disent. Ouais, ouais, ouais. Ah, complètement. Alors, petite anecdote de vie personnelle, mec, j'ai envie de dire que vous pourriez presque vivre, vous. On parlait entre nous tout à l'heure, quand j'avais merdé le premier enregistrement à l'aller depuis la ville, des jeux de rôle. Et il y a, pour en revenir, un joueur du grenier une nouvelle fois, qui a fait la saga aventure là, avec Maillard, le célèbre organisateur de jeux de rôle en France, qui a publié plusieurs livres sur le sujet. Maîtrise ce domaine et ils avaient Maillard comme maître de jeu. Et en fait, sur la chaîne de Joueurs du Grenier, tu peux retrouver des épisodes aventure. J'ai bien aimé, surtout le côté moderne là avec les survivants. Là, c'est vachement bien. Ville zombie post-apocalyptique, j'ai adoré.
Et bref, et de temps en temps, je me suis fait des promenades quand je voulais pas spécialement écouter le bruit de la nature. Je m'écoutais au baladeur, c'est les épisodes, et j'arpentais ce chemin-là quand je découvrais de manière radiophonique leurs épisodes de jeux de rôle. D'accord. Donc c'est marrant, tu vois, ça me revient en mémoire parce que je sais que j'ai... Ah oui, tiens, ça c'est radiophonique, une vidéo, tu peux la regarder en mode radio. Ça c'est vrai, ça faisait une fois j'avais fait qu'un film, il faut que je regarde, et puis j'ai monté une tour Eiffel en faisant le 3D. Oh. J'ai regardé le film, j'ai écouté le film, j'ai et puis avec la dame. À regarder en voix off, puis je m'imagine les 7 puis tu remontes la tour Eiffel. Ah, pas la vraie tour Eiffel, hein, la tour Eiffel en poseur. Ouais. Ah, c'est sympa. C'était amusant de regarder un film de cette façon. Parce que quand j'ai regardé ensuite en image le film, tu vois, ça ne correspond pas du tout à ce que je pensais. Ouais. C'était amusant. Pareil, des fois, quand je suis en stream, quand vous êtes en stream, que je vais faire, je vais dans la cuisine et je prends la petite enceinte avec moi, ça fait que j'entends les personnes et des fois j'entends le prénom mais j'ai les mains dans la cuisine, du coup grand-mère, faut que je réponde, je me lave les mains, que j'ai les mains, que j'aille jusqu'à leur dire pour répondre. Ah oui, quand t'as l'envie irrésistible de répondre ou quand on t'a directement interpellé, ouais. Oui, voilà, c'est pratique, la petite enceinte. Non, t'as raison. Ah bah, combien de fois, surtout dans les épisodes commentés, je lui dis t'inquiète pas, Funfan, s'il y a des petites pauses, c'est moi qui me soulage aux toilettes ou qui fait un truc rapide, 2 secondes. Et combien de fois il me parle, il oublie que je suis pas forcément devant l'écran. Oui. Tu peux répéter, Funfan, j'étais aux toilettes. Ah, on a des poursuivants. Ouais. Oui, on a des poursuivants. Elle est demoiselle qui court. Alors justement, j'aurais après une anecdote de demoiselle qui... Enfin non, moi qui cours. Ah oui, les traces de sabots. Enfin, je vois surtout les traces de groll. Ouais, moi aussi. Mais... Oui, il y a des sabots qui passent aussi. Ouais, des sabots. Il y a des chevaux qui passent aussi. Des sabots qui passent. Oui, c'est ça. La chose. Oui, ouais. D'ailleurs, je suis pas sûr de... Ah si, je t'entends me dire, j'ai coupé la caméra. Attends, je vais détourner la caméra. Bah tiens, je vais en profiter pour faire 360. Tant que ces dames en train de courir passent. Le petit 360 degrés. Oh, c'est beau. Avec les nuages, c'est magnifique. Ah mince, elles se sont arrêtées. Je pensais qu'elles seraient plus loin, donc tant pis, on va les voir, mais bon. On en avait parlé avant de faire notre périple, hein, l'idée de le danger de filmer des gens. C'est pas évident, hein, l'appréhension. Un cheval au mieux, mais parfois tu peux pas éviter. Bon, là, je vous aurais fait 720 du coup. Je serais un peu gêné de poursuivre la marche et de rattraper la demoiselle. Je suis pas censé filmer des popotins. C'est un peu gênant. Eh oui. Oui, alors l'anecdote de moi qui course une demoiselle, je suis gentil. C'était une dame bien manchée, d'un âge déjà mûr, comme on dit, qui était en vélo, peut-être même en bobinette, c'était pas bien, qui traçait justement dans l'axe là, et puis qui descendait, donc qui allait en aval vers le Saint-Christophe. Et mais j'ai toujours pas. Là, je vois mal avec le soleil le retour. Non, c'est bon, je vous remercie. Mais c'est pour dire, quoi. J'ai un peu. J'ai le dos à coupe, la caméra. Non, c'est bon, merci. Oui, nickel, merci. Mais elle était en mobylette, la dame, et je me suis tapé un délire. Il y avait mon cousin, encore une fois. On avait fait une sortie en commun, mais ça remonte à des années, celle-là. Je ne sais même pas s'il s'en souvient encore.
Il m'avait pris en photo, voire peut-être même filmé, je sais plus, mais au moins pris en photo, où je faisais exprès de mimer un peu une scène à la petite maison dans la prairie. Et en fait, je me mettais à regarder dans les champs et à pousser la nana. Et à un moment, la nana, elle a eu un doute. Elle a regardé dans son rétro, elle m'a vu voir l'idiot, mais elle s'est demandé si elle avait pas perdu un truc et que j'essayais de la rattraper pour lui redonner un truc qu'elle avait perdu. Alors que je vais faire une scène complètement en code sur le coup, complètement cocasse et spontanée. Et du coup, c'est bien, ça fait un beau souvenir. Ouais. Voilà pour l'anecdote. Est-ce que j'ai raconté une anecdote, quoi ? Eh bien. Ah là là, par le passé. Là, pas tous les arbres. L'arbre qu'on voit là-bas au loin, là, un peu vert. On voit en fait un petit bosquet et un arbre qui se distingue. C'est souvent là que moi je me posais les années précédentes. Avant les tiques. Avant les tiques, moi j'ai envie de dire. Je sais pas ce que c'est, mais de temps en temps, je posais ma serviette, je me posais là. Et... Ouais. J'ai eu, au début de ma carrière d'informaticien, des bonnes pointes de stress. Et à la bonne saison, je m'étais décompressé ici, un peu médité sous l'arbre, là, j'ai envie de dire, à m'ouvrir les chakras. Et ça faisait du bien, une vraie thérapie. Ouais, c'est un arbre pancarte. Et ben il est nouveau celui-là, parce que celui-là je le connaissais pas. Celui-là il est apparu durant la pandémie, j'ai envie de dire. Il était pas là avant. Ouais. Est-ce que c'est un petit rappel ? Possible. Encore que non, les feuilles m'ont l'air trop petites. Les feuilles m'ont l'air trop petites. Mirabellier, j'ai la chance d'en avoir un. Non, moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'on n'aura pas croisé les moutes-moutes. Ah. Les moutons et là, ah, c'est la déception, tu vois. Je m'attendais à les croiser et je les ai même pas vus. Alors qu'on avait une vue superbe tout à l'heure, dans la partie boulée du plateau. Ils sont pas vus. Ils sont peut-être sur un autre sentier, mais il est trop loin, on ne le fera pas aujourd'hui. Je garderai ce sentier-là pour une autre année. Le plateau de Malzéville, on fera des variantes de sentier. Ça viendra spontanément. C'est l'intérêt d'ailleurs des plateformes comme ça, Twitch, l'échange, l'interaction, c'est qu'un spectateur peut apporter un thème de discussion, de réflexion, et ça t'inspire justement, un échange de questions-réponses. Et ouais, c'est très bien. Ça viendra naturellement, Frobos, t'en fais pas. Oui ? Ah oui, un restant, ouais. Un restant de fouet fouet. Qui souffle, ça fait du bien. Ouais, ouais. Mais je suis déçu, il n'y a pas les bouts de poutre. Ouais, tu auras des petits poutres. Attends, mais tu auras des poutres. Des bastos smooth. Ah, des bastos smooth. Bon, en tout cas, il y a un sage côté, un fou. C'est ça. Ouais, il faut prendre un regard. Oh.
Ah, sacré Logir. Un Dragon Sky Boot. Le mec à chemise rose là près des pins, j'ai l'impression qu'il manipule un outil agricole ou un âne. Il est à cheval sur un truc, tu penses? Non, il interagit avec l'âne. Je crois que c'est le fameux âne qui garde les moutons. Mais alors, si l'âne est là et qu'il n'y a pas de point blanc autour, où sont les moutons? J'ai pas souvenir qu'il retirait des moutons. C'est l'âne normalement qui garde les moutons. Ah bah, on va peut-être partir à la rencontre de l'âne en espérant que le monsieur se casse. Bon, au contraire, on peut lui poser la question. Oui, éventuellement. Alors, j'ai eu un spectacle d'horreur et je ne l'ai plus à vue dans les médias, mais je ne sais plus si on a passé le secteur ou si on s'en approche. Mais il y a 4-5 ans de ça, il y avait une bagnole qui avait été calcinée ici. Genre de truc, c'est la bagnole qui est volée, qui prennent les pièces qui les intéressent pour les revendre au marché noir. Et le restant, pour effacer l'épreuve, il flambe. Et les salopards ont... Pour des carcasses ensuite. On était inspirés à venir jusqu'ici. J'étais dégoûté. Mais le pire, avant de voir la carcasse, on me l'avait signalé. J'avais une connaissance en ville qui m'avait dit, il savait que j'aimais bien me promener au plateau ici. Et il me disait, il y a une bagnole qui a été cramée. J'étais très surpris. Je disais, ah bon, merde, ça n'arrive jamais. Qui sont les enfoirés qui ont fait ça, quoi. Et puis non, c'est des voleurs de bagnoles et de pièces détachées. Ouais. Alors la bifurcation, c'était pour absolument voir les moutons, mais ils ne sont pas là. Alors, on va tous manifester notre mécontentement de la préparation du CH de moi, qu'on n'a pas besoin de notre travail, car il n'y a pas de moutons. Donc ils vont manifester, allez-y, manifester. Allez, on veut des moutons, plaque. Et là, je claque des doigts et puis tu fais un effet pyrotechnique. Pyrotechnique, je raconte. Un effet, comment on appelle ça, cher. Un effet spécial où tu fais apparaître des moutons. Ça Non, attention, on parle pas de moutons. En fait, fan, il va vouloir tout de suite jouer à Worms. Avec son mouton volant piégé qui nous arrive dans la tronche. Et qui nous fait perdre la partie. Mais ouais, il faudra qu'on s'y remette. Bon, on va peut-être s'y remettre ce week-end, je crois, dimanche. On va se faire en commun. Ouais, on rigole. Donc, ouais, 14h, 15h, je pense qu'à partir de là, je pourrais venir. Donc, comme c'est vraiment dominical avec mes parents, je pourrais peut-être. Je viendrai plutôt en retard, comme je te verrai 15h. Tu veux, quand tu viens, quand tu veux, c'est pas grave. Moi, que... j'arrive dans la partie, tu viens d'accueil. Oui. J'arrête la partie précédente et je l'ai mis. Bah, ça m'a impressionné hier soir, je crois que t'étais là, les 4 nouveaux arrivants par rapport aux bibilles. C'est dingue comme ça attire du monde, le jeu des bibilles, là, dans le stream. Ouais. Ah, ça m'a surpris, ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant de... C'est... De nouveaux arrivants. Non, c'est de l'herbe qui a cramé. Ça fait peur, mais c'est de l'herbe qui a cramé. Les taches blanches au sol. Non, ça devrait être vert. Là, ça craint vraiment. Là, il y a plus de maîtrise, c'est zéro depuis un mois. Terre brûlée. Non, c'est pas cool du tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On approche le monsieur auprès de l'animal. Je
Alors, à un moment, je continuerai de filmer, mais je tournerai pudiquement la caméra. Ouais. On n'aura que le son du monsieur. Enfin, j'ai commencé même à lâcher la caméra bientôt, mais on va s'approcher du monsieur, savoir ce qu'il en est. Oula, attention, il a failli se prendre un coup de tête, je sais pas ce qu'il fait. C'est peut-être le veto, on va savoir. C'est toléré. Ah, c'est toléré. C'est toléré, il faut pas que tout le monde non plus s'amuse à ça, mais bon. Là, on a un point d'intérêt. Tu vois qu'on va faire fuir le mec, il va se barrer. Je sais pas. Oui, je crois qu'il nous a vus et il veut pas de contact humain. Ouais, bah c'est humain. C'est humain. Mais c'est bizarre. L'âne, il doit être dans son enclos. Pourquoi il n'est pas dans son enclos, l'âne? Je sais pas. Si. Bah si, c'est même moi, j'ai déjà interagi avec l'animal par le passé. Mais c'est peut-être le berger du coin. Je sais pas si on va avoir l'occasion de s'approcher ou pas. Et normalement, on a les déjections des piquettes là. Enfin, des moutes. Là, les petits points noirs au sol, c'est les déjections des moutons. Mais alors, j'ai pas l'info, mais est-ce qu'ils auraient retiré les moutons parce que sécheresse, il n'y a plus rien à brouter? Mais c'est pas bon. Est-ce qu'ils ont fait redescendre les moutons bien plus tôt que d'habitude dans la vallée? C'est inquiétant. C'est inquiétant. Attention, je vais commencer à laisser nature ma caméra et pas filmer monsieur, vous comprendrez. Vous verrez le paysage. Ouais, on va faire peur aux moutons. Oui, déjà on ralentit. Moi, je peux peut-être me faire avec là. On est un peu trop loin quand même. Jusqu'au truc brûlé au moins. Mais tout doucement. Faut pas qu'on ait un mouvement de prédation. On a les moutes. Bon, les voix sont de brèves séquences, mais on va pas déranger plus que ça. Mais je pense que monsieur est le berger. Oui, l'animal est intrigué. Et voilà. Mais ce qui est inquiétant, c'est le fait de voir l'herbe qui est complètement asséchée, la couleur or, couleur jaune. Alors que normalement c'est de la verdure quoi, c'est vert. Là on voit qu'au niveau pluviométrie on est perdant. Ah là 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 là. Bah, j'ai peut-être coupé un peu et on va faire une pause là, ouais. Et je reprendrai le film après. Hop, je vais couper pudiquement.